Et yop, tout le monde, c'est Uranor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Control. Et je viens d'Auxir Thomasy, voilà, un petit boss hein, qui nous avait pas mal embêté la première fois qu'on l'avait rencontré. Il était quand même assez tendu aussi la deuxième fois. On l'a Auxi, donc c'était une quête secondaire, hein, c'est-à-dire. Mais maintenant, je dois finir de fouiller la salle parce que je n'ai pas eu le temps. Donc on va s'en occuper maintenant. Résumé de Sterling. Alors, on commence l'épisode par la lecture. Bon. C'est pas le plus passionnant, je vous l'accorde. Un objet par naturel est apparu dans un champ près de la ville de Sterling, dans le Colorado, près d'un panneau publicitaire. Tat, tat, tat. Aucun civil n'a été blessé, mais la disparition d'un chien de compagnie a été signalée après l'événement. Très bien. Les autorités locales sont arrivées sur les lieux et ont commencé à communiquer des ordres par un moyen de communication placé sur écoute. Plusieurs mots-clés ont été remarqués par le bureau, dont tatatat. Les agents du bureau situés dans la région ont été envoyés et sont arrivés 2 heures après la police locale. La situation a été gérée et l'analyse a débuté. L'équipe de recherche du bureau est arrivée le lendemain pour examiner l'objet. Après X jours d'évaluation, l'objet a été placé dans une remorque fermée, aux parois revêtues de panneaux de pierre noire, et a été transporté au QG du bureau par le système de transport souterrain menant à l'ancienne maison. Mais c'est quoi l'objet, on sait pas. Et du coup, la disparition du chien de compagnie, peut-être que le mec qui a retrouvé un cadavre de clébard, peut-être que c'est lié, et que c'est le même chien qui l'a retrouvé. Enfin, au moins bon état du coup, mais... Mais il l'a retrouvé! C'est ça le plus important. Voilà, pareil. Là, il y avait un coffre. Hop. Pourquoi il y a de la pierre classique d'ailleurs ici? C'est quoi ça? Je suis en train de percuter sur la map sur laquelle je suis. Pourquoi il y a des objets classiques? Boum. Alors, est-ce que là il y a des choses? Non. Non. Là-bas il y a un coffre. Hop. C'est rapide quand même, hein. Viser, non. Hop là, ok, je pense qu'on a tout fouillé ici sauf ce petit chemin là qui contient un coffre, un enregistrement. Vas-y, enregistrement. Vous écoutez la Nocturne américaine et après 29 ans nous continuons de lever le voile entre fiction et réalité. Merci de nous faire confiance. J'ai reçu de nombreux appels à propos de ce météore à Sterling, dans le Colorado. Ah, bah c'est le météore, d'accord. On nous signale un grand vaisseau sphérique qui s'est écrasé dans un champ hors de la ville. Des agents du gouvernement semblent être sur place. Il se trouve que notre station de radio est située dans le Colorado, et Sterling n'est pas loin. Je suis allé voir ça de mes propres yeux en compagnie de l'équipe de la Nocturne américaine. C'était prévisible. Nous avons rapidement trouvé des débris métalliques qui étaient éparpillés dans un champ. Chers auditeurs, encore un cas d'objet volant non identifié, ou OVNI, qui est entré dans notre espace aérien avant de s'écraser. Le fait que le gouvernement soit venu couvrir l'affaire en pleine nuit prouve bien qu'il s'agit vraisemblablement de visiteurs venus d'au-delà de notre planète, ou même de notre système solaire. Rendez-vous sur notre site web pour voir des images des pièces de vaisseau que nous avons trouvées. D'accord. Et pendant que vous y êtes, nos sponsors ont quelque chose à vous dire. La Nocturne américaine revient tout de suite. Très bien. Donc c'est un météore l'objet altéré. Un météore. Enfin, ils le prennent pour un météore. Je sais pas si c'est vraiment un météore qui s'est écrasé, mais en tout cas c'est la pierre là. Donc c'est ça l'objet altéré. Bon. Qui a fait disparaître un chien. Supplément au Sterling. Compte rendu. Des témoins ont signalé un éclat vif et bref dans un champ à environ tatatat. Il n'a été accompagné d'aucun bruit. Les autorités ont supposé que l'objet était tombé du ciel, mais notre enquête a montré que l'objet s'est manifesté directement sur place, sublimant le sol alentour en un tatatat sphérique et intense, ce qui explique sans doute la lumière observée depuis la ville.
L'objet est une sphère creuse faite d'un matériau rocheux. L'analyse structurelle du matériau ne tatatat dans les archives. Une partie de la sphère est cassée, comme si quelque chose tatatat de l'objet. L'objet est inactif depuis son arrivée au bureau. Le département de communication a émis un communiqué officiel à l'intention de la presse, affirmant que l'objet était une petite météorite, tout en utilisant le programme nocturne américaine pour tatatat. D'accord. Du coup, c'est pas ça que je vois, parce que c'est pas une sphère, ça. Enfin, c'est rond, mais c'est pas une sphère. C'est pas vraiment rond, tu vois. À moins qu'il l'ait taillé volontairement pour que ça tienne mieux. Il disait qu'il était creux, il est pas creux. Bon. Quête principale, ou on va voir vite fait le concierge. Hop. Genre si je fais là comme ça. Non, ça veut pas, ça va être trop loin. Bon. On passe voir le concierge rapidement, voir s'il me file des quêtes. Et puis après on va faire la quête principale du coup. Je me suis pas tapé la bonne zone par contre. Mais c'est pas grave, puisque il faut aussi que je fouille cette zone. Donc ça tombe bien. Enfin, je crois. A priori, il faut aussi que je fouille cette zone. Toujours. Du lore. Problème de restauration. Directeur Trench, en tant que chef des cuisines, je dois vous faire part de mon inquiétude suite aux rumeurs concernant l'apparition de mousse près de mes cuisines. Vous êtes conscient que toute nourriture manipulée, préparée ou consommée à proximité de la mousse peut être contaminée et impropre à la consommation. Si je parviens à vérifier ces rumeurs, je devrais fermer plusieurs lieux de restauration. J'ai bien conscience de la gêne que cela engendrerait, mais en tant que restaurateur, je mets un point d'honneur à ce que la préparation de la service et le service des repas se fassent dans un environnement sain. Sincèrement, J. Pullman, chef des cuisines de la société Golden Show Catering, ou Catering, je ne sais pas. Hop. Voilà. C'est tout. On remarque qu'à chaque fois qu'il y a de la mousse, il y a une espèce de grosse machine au même endroit. Bon, rien d'autre visiblement. Par contre, je me suis quand même trompé d'endroit pour le TP. Voilà, enfin je trouve le bon TP, bon. Oh merde. Ah mais je vais mourir là. Bah voilà, évidemment. Bon, donc je suis mort parce que je me suis TP à un endroit, j'ai fait exploser le chariot qui était là. Ensuite je suis descendu, j'ai voulu balancer les trucs sur les gens. Sauf que j'ai pris les machins lourds, donc ça les a pas pris parce qu'il faut que j'attende pour les lancer. Et quand enfin j'ai pu m'en sortir, bah, je suis mort. Et bah, c'est bien ce que je craignais. Encore plus, cette chose s'en va complètement dès la mitaine. Bergel, Satana. Helveti neveti, lomatulosa yatalasta pasca. Ouais. Ouais. C'est la quête pourrie là où je dois trouver de la mousse à des endroits à la con. Oh là 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 là. Pitié. Pitié. Hop. Bon bah allons-y, on n'a pas de choix. On n'a point le choix. Et je cherche parce que je crois qu'il y avait peut-être des endroits où je pouvais voler ici, mais je suis pas sûr. Salut. Je dirais pas non à un peu d'action au moins. C'est ça. Pas beaucoup s'est relevé. Et tu t'attends à ce que tout soit dans le vert? T'as sûrement raison. On devrait déjà s'estimer heureux que la console fonctionne. Exactement.
Mais c'est là que je viens là. C'est l'ascenseur qui est là. Hein. Mon avis. C'est de ce côté là qu'il faut creuser. Hop. Voilà. Je pense. J'espère. Oui. Coolant pump, ça doit être ça. On doit trouver des champignons. Ah, c'est là où j'avais paumé la télé qui me suivait partout, là, d'ailleurs. Bon. Ati. Si je pouvais te tuer, je pense que je le ferais. Des grandes. La zone est grande. À mon avis, c'est là-haut qu'il faut aller. Attends, j'y pense. Est-ce que je peux... Ah ouais. Donc même grab, enfin voler un peu plus haut grâce à ça. Genre si je fais ça, hop. La mousse est arrivée ici aussi. Génial. Faisons le ménage, dit-elle. Voilà, exactement. Et la même réplique. Même pas ils ont cherché à doubler une autre réplique. Faisons le ménage, dit-elle en chargeant son arme. Oui, mais tu l'as déjà dit ça dans l'autre. C'est pas grave. Hop. La gare. Fermé. Et de deux. Plus que quatre. Plus que quatre. Vous le sentez que ça va être chiant? Est-ce que vous le sentez que ça va être chiant? Bon. La lumière est tendue à s'éteindre, hein, visiblement. Ah! Regardez comment elle est pute celle-là. Et de 3. Eh, en vrai, si déjà à 3 je galère. Pff. Oh, quête à la con. Un de là que je n'avais pas vu, je sais pas pourquoi. 4. Ah, encore une. 5. Cette plateforme là au milieu, elle est sympa. Hein. En vrai, on a une bonne vue sur tout. Bon, sauf sur la lumière là qui m'aveugle complètement, mais. On a une vue sur à peu près tout. J'en ai trouvé 2 juste en étant sur cette plateforme là en 30 secondes. Même pas. Ok, la dernière est juste là, c'est bizarre. Pareil, c'est des trucs, ça sonne évident. Quand je les trouve, je me dis putain, mais c'était vachement visible. Et en fait, je galère quand même à les trouver. Je déteste ces missions là. Bon, je vais lui prendre au moins les 10 minutes à faire ça. Là, c'est bon. Plus de mission secondaire. Ah bah si, il faut qu'on rende la quête à Emily. Merde, bon, rendons la quête à Emily. C'est pas trop loin. Faut juste qu'on trouve un ascenseur. De l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. C'est comme ça qu'on prend un ascenseur. Voilà. On se TP pour parler à Emily. Ah, capacité, on a 2 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour 2? Allez hop, puissance du bouclier. Ça me sert de temps en temps. C'est rare, mais bon. Et du coup, exécutif central. Voilà. Ma chère Emily. Bah, pareil. J'ai résolu le problème, Thomasy. Désolée,
J'oubliais que c'était un collègue. Pas d'inquiétude. Ce n'était pas le vrai Tomasi. Il est mort quand le Hiss l'a eu. C'est vrai, mais je voulais pas paraître insensible. Les sentiments sont une faiblesse dans des situations comme celle-ci, Jessie. Ce sont les bases du bureau. Emily n'a pas l'air de quelqu'un d'extrêmement sensible. Sans déconner. Attendez, je suis en train de me dire, en fait, attends, j'ai peut-être pas lu ça. Parce que finalement, la couleur est pas la même. Attendez. J'ai vu pas mal de présentations de Darling. Il aime bien être le centre de l'attention, non? Ah, vous avez remarqué? Quand il m'a recruté à la fac, il était venu en personne. Il a interrompu mon cours de physique en criant « Ah, vous avez tout faux !» Et il est venu se placer au tableau avant de commencer à fustiger l'idée même de loi de la thermodynamique. Il a toujours aimé faire son intéressant. Darling est venu vous voir à la fac? Oui. Il a lu un papier que j'avais publié. Il est venu me recruter pour le bureau. J'ai accepté et j'ai passé des années à attendre de pouvoir accéder aux recherches confidentielles promises par Darling. Lorsque je lui en parle, il se contente de marmonner que c'est repoussé temporairement, puis il change de sujet en abordant les effets de l'entropie sur la chance. Je me demande à qui d'autre Darling cachait ses travaux. Marshall? Trench? Ok. Étudier Dylan. Vous avez des nouvelles sur l'état de Dylan? Seulement que le Hiss est bien présent, mais j'imagine que sa récitation en était déjà une preuve. Par contre, j'ai relevé que les mots de l'incantation du Hiss font en moyenne 5 lettres. Le verbe le plus commun utilisé à 7 reprises est « vouloir ». Les mots « dans » et « tant » reviennent aussi beaucoup. Passionnant, vous ne trouvez pas? Non. Je m'en fiche des mots. Hey. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon frère? Désolée, je me suis égarée. Bizarrement, il a l'air en bonne santé, contrairement aux autres contaminés que j'ai pu voir. C'est bon signe, non? Ok, et Jessie? Je voulais vous parler de ces trucs fous que je peux faire. Mes capacités. J'ai l'impression qu'elles sont pas très... communes, par ici. Commun et peu commun ne veulent pas dire grand-chose pour le bureau. Mais pour vous donner une idée, le directeur Northmore s'est un jour servi de la disquette pour envoyer une boule de bowling à 5 mètres de hauteur et c'était déjà énorme. Donc, en comparaison, votre cas est vraiment marginal. Marginal. Ça me plaît. Ah oui, forcément, la petite boule de bowling à 5 mètres de hauteur... nous on fait des charges dans le tas, on envoie des objets sur des ennemis à gogo, on fait des massacres, on est une arme de destruction massive, mais oui, évidemment, c'est presque pareil, situation quasiment comparable. Bon, quête principale du coup. Quête principale qui nous demande d'aller au labyrinthe, et ça c'est cool. Encore des points de capacité, oh putain. Vas-y hop, les... je m'en sers jamais de ça. Allez hop, on met ça. Déplacement rapide. Recherche centrale. On est parti. Alors. Le labyrinthe. Une porte qui serait là-bas. Celle là-bas. Bonjour. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je vais essayer le corps à corps, voir. Bon, après, j'avoue que c'est un ennemi lourd. Et enfin! Foutez-moi la paix. Ah, mais c'est pas possible! Il y a trop d'ennemis dans ce jeu. Hop. 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 Tu es à moi.
pas si ça servira à grand chose, étant donné que je vais lancer un TP, voilà, il va mourir instantanément. Prends la chaise. Ok. C'est bon. Ils sont pénibles, hein. Encore une fois, on en revient sur la quantité de personnel employé par le bureau. C'est juste affolant. C'est juste affolant. Non mais t'arrêtes. Tu te calmes. Assez. Demandez concierge s'il doit passer par là. Mise à jour, trouvé a-t-il concierge? Il y a plus de sable dans cet endroit. Bon, heureusement. C'est juste la quête principale. J'ai cru que c'était la secondaire qu'ils allaient me dire ouais, il y a encore une secondaire qui s'est des. Non, c'est bon. C'est la principale. Faut qu'on trouve Ati. Bon, on connaît déjà le niveau de toute façon. A priori, on connaît déjà le niveau, donc ça va tourner 2-3 fois, puis... Hop. Hop. Ça marche pas. Voilà, on va faire un tour. Voilà. Ah mais faut qu'on retourne chercher le concierge, du coup. Ah mais non, en fait, il est pas là. Faut qu'on aille chercher le concierge. Ah, mais j'en viens. J'en viens. Pitié, ventilation, là, voilà. Ah, quelle connerie. Ils ont pas inventé le téléphone ici, en plus. Ah bah, c'est pas moi. Mais j'ai pas fait d'explosion, enfin. Bon, ben, j'ai plus qu'à m'asseoir et attendre. Il est même pas là. Quel bazar, l'heure de la pause. Ouais. Où est-il? Et celui-là parti, Annick Totti. L'assistant de moi continue et travaille pour que tout marche bien. L'homme, il est lamps, vacances, humps. Il est parti en vacances. Comment quelqu'un peut-il partir alors que le bâtiment est scellé? Et en vacances en plus. Ah, passage secret. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de mieux dans ce métier. S'asseoir? Pom, pom, pom. Pom. Très bien. Là, on a... J'imagine que l'assistante du concierge n'a pas besoin d'une tenue officielle. Assistant de concierge. On a... Très bien. On a gagné une tenue. Bon. Ah bah allons-y. Allons par le passage secret. Dès le début, je me suis dit, tiens, il y a un passage secret au niveau de ce tableau. Ben, tu... comme quoi, j'ai bien vu. T'es parti en vacances, espèce d'enfoiré ? Alors que moi, je suis obligé de faire des heures sup. Voilà. Pour la peine. Le mec, il fait sa meilleure vie. C'est pas là? Ah non, c'est là-bas.
La 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 la. Très bien. On arrive où là? Je suis complètement au pif. Hein. Je suis jamais allé là, si? Visiblement non. Pas de musique. Ah si, c'est bon. Plainte du fourneau. Le fourneau. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de brûler les documents dépassés dedans? On gâche juste un feu qui semble être fait juste pour ça. Ça économiserait un peu d'argent et beaucoup d'efforts. D'habitude, les gens en costume cravate aiment bien ça, pas vrai? En vrai, qu'est-ce que ça chauffe ce truc? Et qui en est responsable? C'est toujours allumé, mais il n'y a jamais personne qui s'en occupe. Et ça fait du bruit. Du genre un peu, je sais pas, bizarre. Je suis quand même pas le seul à entendre une drôle de respiration sifflante ou un truc du genre. Quelqu'un devrait y jeter un coup d'œil, il y a peut-être un truc à remplacer. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent d'autre? Ouais. Voilà. Chalet d'Ati. Lomi, Lomp, vacances, Omp. Ok. On prend le point de contrôle. Et avant de continuer, je vais juste aller voir de l'autre côté. S'il y a une porte. Ou pas. Pourquoi ces machins ils sont pétés là d'ailleurs, on ne sait pas. Ça s'ouvre là ou pas? À mon avis non, mais... Et même un mur invisible qui m'empêche d'approcher plus que ça. C'est pour te dire. Voilà. Ah, sacré Ati. Qui part en vacances. Alors qu'il y a tout qui fout le camp. Du champi. Et ça débouche ici. Tendu les gars. Hop. Ok. Techniquement, je pourrais passer par le milieu pour éviter de tuer tous les gars, tous les champis, mais on va les tuer. Parce que tant qu'à faire. Pourquoi chercher à fuir? Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Exactement. Et bah c'est ce qu'on va appliquer dans ce monde là. Vu que je suis tout puissant, on va s'occuper d'exterminer la vermine champignonne. Champignonne. Exactement, champignonne. Y'a un machin bleu là, c'était pas là avant. T'as, en plus je fais des quêtes vachement chiantes pour lui alors que c'est exactement au même endroit qu'on revient. Qui me troll cet enfoiré? Encore Ocean View. Illalla tuuli heikkenee. Utuista hyvä näkymys. Wow. Ah, je peux pas. Ça fait des dégâts ou pas? Très très légèrement. Bon, la première porte, il y a ça. La deuxième, j'ai pas d'arme, hein, je peux pas tirer rien du tout. Deuxième, il y a deux radios, trois radios. Meren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Okei. Metriä sekunnilla. Ja hyvä näkymä. Et là. Voilà. Très bien. Là, on suppose que le monstre dans la première est dead.
parce qu'on a allumé des radios, ce qui ne fait aucun sens. On chope la clé. Et là, c'est une sacrée trace. Hop. Putain, quelle connerie, je te jure. Bah. Ouais. Ah, bah oui, peut-être cette porte-là du coup, non? Bah oui. La porte du concierge. Il a une porte rien qu'à lui, le gars. Putain. Donc, du matos de concierge, une tenue de concierge, Miami. Hop. On est où là? Rien de pierre noire, d'accord. Prendre point de contrôle. Là, il y a du lore. Il part en vacances dans des endroits assez... hein. Résumé des événements. Une équipe d'intervention est envoyée pour contrôler un EAM potentiel. En cours à... Tatatat. En Albanie. Sur place, l'équipe a trouvé et récupéré AL63. Mesure prise. Le bureau a découvert de nombreux messages circulant sur Internet concernant de grands bruits provenant d'un entrepôt de logistique abandonné appartenant à la société Tatata. Les autorités locales ont découvert plusieurs corps mutilés à divers degrés aux alentours. Ces différents éléments, qui se sont produits uniquement lors des trois dernières pleines lunes, nous ont amenés à envisager la présence d'un loup-garou. D'accord, c'est encore le truc avec Alrich. L'agent de terrain Tatat, donc Alrich on suppose, s'y est rendu, accompagné d'une escouade de soldats en cours d'instruction, afin de procéder à un exercice pratique sur le terrain. Nous jugions peu probable de trouver un véritable EAM. Contre toute attente, l'équipe a découvert un objet altéré hautement dangereux, qu'ils sont parvenus à récupérer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons-y. Ouais, mais je c'est là qu'il appartient à vacances? Ah non, là-bas. Padam. Bon, bah allons-y. Hop. C'est pratique, hein, quand même, de sauter comme ça. Donc finalement... Cette porte débouchait bien quelque part, il y avait vraiment un ascenseur. Merde, je me suis trompé de touche. Je suis vraiment fils de pute. Désolé maman. Hop. Ah là là, saloperie. C'est bon. C'est passé. On va faire le tour quand même, vérifier s'il n'y a pas des trucs à ramasser, parce que c'est la première fois encore une fois qu'on vient ici. C'est marrant la quête là, Dati, on passe par plein de passages qui étaient fermés, où on se disait « comment on y va, comment on y va ?» Enfin, où je me disais « comment on y va, comment on y va ?» Vous, après, vous ne le disiez pas forcément, mais... Ah oui. Bah, descendons alors. Hop. Parce qu'on peut pas monter, on descend. Zone interdite. D'accord. Ati, je sais pas comment tu fais quand tu pars en vacances, mais là, Valar qu'on cause. A mon avis, en tant que concierge, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Bon, c'est pas moi qui t'ai engagé, parce qu'il y a eu, bon, au niveau de la direction, il y a eu pas mal de changements, je te l'accorde. Mais... À mon avis, faut qu'on en discute. C'est quoi les murs de brouillard à la Dark Souls? C'est toi, ça aussi? Tu vas pas me faire affronter un boss géant derrière. Zone interdite. C'est quoi, ça? Mes amis, bienvenue dans les mines de la Moria.
Ça vous fait pas penser un peu à ça, vous? Bah moi un petit peu, je vous avoue. Pose son arme! Bon, tant pis. On l'a demandé gentiment, hein. Albany, compte rendu. À son arrivée, l'escouade a pénétré dans l'entrepôt et découvert des caisses non livrées, abandonnées par le précédent propriétaire des lieux. Alors qu'ils enquêtaient sur le bruit, le long du côté sud du bâtiment a provoqué un effondrement vers l'intérieur. Des caisses en bois mises mouvement physique, accéléré par tatatat, ont rendu l'agent de terrain, et deux des cadets inconscients. Les autres ont pu sortir de l'entrepôt avant qu'il ne s'effondre entièrement. Dans les combes, ils trouvèrent Hall 63, au point d'origine de tatatat, qui attirait et repoussait les débris. Ils ont monté la garde autour de l'objet jusqu'au coucher de la lune. À cet instant, les effets de l'objet altéré ont été suspendus. Ils ont ramené l'objet au bureau sans complication. Aucune perte n'est à déplorer. L'effondrement de l'entrepôt s'est produit sans témoin. Aucune procédure d'information n'a donc été demandée au département des communications. Un gros bouton rouge. Tutut. Ah! Ah, c'est pas du one shot, mais presque, hein. Waouh! Hop! Pam 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 pam! Foutez-moi la paix, bordel! Je cherche juste un employé en vacances! Quel manque d'éducation! Hop! Bon. Quoi? Ah bah on peut prendre ce petit ascenseur là. Ça me paraît être un bon plan. Est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on saute dedans? Vas-y. Enfin, vous êtes combien les gars? Faut se calmer hein. Faut se calmer là. What? Je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait. C'est bon? Notre exceptive musique là. Putain, l'épisode va être un peu long là. Hein. Je pense. Ah ouais, carrément, faut que j'arrête là en fait. Bon, j'arrête à la fin de l'ascenseur. Enfin, du téléphérique. Du petit machin qui traverse les brumes. C'est quoi comme construction? Ça peut pas être une construction. Ça peut pas être les humains qui ont fait ça. Enfin, voilà. C'est un truc de l'ancienne maison de base. Nulle part. Très bien. Je suis donc à nulle part. Ça fait penser un peu à la Moria, quelque part. Mais la Moria, genre next-gen, tu vois. Les grandes pylônes, là. Parce que, oui, forcément... Là, on voit bien que c'est pas la même construction que celle des nains. Quoique, je dis ça, mais en fait, ça se voit pas tellement. Bon, à part le véhicule sur le... Enfin, la plateforme sur laquelle je suis, évidemment. Pam, 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 pam. Ah, c'est trop long. Ah, forcément. Je suis vraiment un fils de pute, moi. Ah, bordel, tuez-moi.
Vous savez pourquoi je suis vraiment un fils de pute? Parce que c'est quand même con que mon impatience m'ait emmerdé à ce point là. Je veux dire, j'aurais pu attendre. J'en serais pas mort, a priori. Bon après peut-être que si, hein, on ne sait pas, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais là, je me dis bon bah c'est bon, je me barre, j'ai sauté, visiblement j'ai pas dû bien appuyer sur les touches, et bah du coup je suis tombé. Ripora, comme on dit. Après avoir tué des armées de connards. Est-ce que la plateforme est revenue? Toujours pas. Non, faut que je rappuie sur le machin, faut que je raffronte les gars, je suppose. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, ça va être trop long. On va s'arrêter là pour cet épisode, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord, tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Control. Allez, salut.